Aujourd'hui, on m'a prêté un quad. Et je sais pas s'il l'a pas regretté. À l'aide. À l'aide, les gars. Et salut la jeunesse. C'est 722. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Et ouais, parce que là, les gars, on enchaîne là. Alors, je vais peut-être vous la poster dimanche. On vous fera une sorte de petit doux dimanche. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux. Petite intro un petit peu bizarre parce que la suite de la vidéo, ça va être une sorte de quado vlog. Voilà. Vous allez exclusivement voir ma face. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas pris de GoPro. Et on a tenté une follow cam, mais c'était trop loin. Du coup, c'est pas ouf. Voilà, du coup, c'est un concept. C'est un concept. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, surtout, voilà, je voulais vous faire cette petite introduction pour vous parler de... Ouais, c'est clairement le plus gros projet... peut-être même de ma vie. Donc ce projet, c'est quoi? J'ai un projet de série qui va s'appeler De zéro à ma première compétition. Ouais, je trouvais ça vraiment stylé dans ma tête, mais quand je vous le dis comme ça, j'ai un peu des sueurs froides. Bon, en gros, c'est un projet qui tourne autour de la motocross. Bah, vous le savez sûrement, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Sinon, bah, regardez un peu les autres vidéos. Je suis un peu un accro à l'off-road. Et c'est germé dans ma tête une idée de partir de zéro parce que j'y connais absolument rien en motocross. Et le but, eh ben, ça va être de, avec vous, bah, avec surtout vos conseils, parce que j'adore ça, vous voyez, là, les dernières vidéos avec la bandit, c'est incroyable, j'aime trop ça. Donc ouais, d'avoir vos avis, vos conseils, etc., bah, de ceux qui s'y connaissent un petit peu, d'avoir votre aide aussi, trouver des partenaires, sponsors, trouver une bécane, trouver de l'équipement, trouver, voilà, tout le projet, tout ce qui va englober le truc. Et on va faire ça un petit peu en mode, un peu en série, comme le retour de la bandit. Voilà, c'est vraiment un truc qui me tient extrêmement à cœur. Et le but, bah, c'est d'arriver à ma première compétition motocross. Et puis, bah voilà, après peut-être une saison 2, une saison 3, une saison 29. Ça fait déjà quelques mois qu'il est dans ma tête. Il aurait déjà dû démarrer, mais malheureusement, bah, ça s'est pas fait. Ça aurait pu être incroyable. Mais ça allait pas, et du coup je me dis bon allez, les gars, on en parle, on en discute, on va faire ça ensemble en fait, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon bref, voilà, je vous attends dans les commentaires, pour ceux déjà qui ont des petites idées, savoir à qui on peut en parler, pourquoi, comment, je sais pas. J'en sais rien les gars, on part de zéro, et la tête à Toto. Bon, pour vous parler rapidement de l'état d'avancement de la bandit, j'ai reçu le filtre à huile. Donc bah, c'est pour ça aussi que cette semaine on fait pas de bandit parce que bah, j'ai reçu un petit peu tard. Ça avance, mais du coup on se verra très certainement pour ça la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, tout ceci étant dit, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo quad. On passe au sale. Pas ça le bruit d'un quad. C'est la deuxième fois que je fais l'intro, je suis super content. Pourquoi? Parce que j'ai raté la prise de son. Bon, aujourd'hui les amis, session off-road sa grand-mère la toit. Tu veux du drift, bébé? Faut trouver des chemins par contre. Après, il est aussi margeau que moi. Donc lui, peu importe où je vais, va me suivre. Donc aujourd'hui, voilà les gars, petite session quad off-road. Je vous en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ça vous fait plaisir. Oh, allez, oh, oh. Je suis passé.
Ça va sauter? Ça va sauter? Putain! C'est un peu nul, hein. Fais le sommet. Oh putain. Ouah, je veux pas trop le sommet, les gars. Non mais là-bas faut pas monter en plus. Moi déjà je suis bloqué là. Oh putain. À l'aide les gars. En fait là après regarde le gros truc. Mais tout pour le contenu. Oh, putain. Bah regarde. Il va tout seul. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh putain. Ça marche pas. Ok, c'est bon. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça que j'aime. Parce que les gars, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quad ou moto, les gars, le jour où je roulerai en moto et que j'irai faire de l'enduro, c'est ce que je veux vivre en fait. Moi, je veux vivre des trucs où t'as l'impression que tu vas mourir. Où tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas si je monte, hein. Let's go. Ah lui par contre, bah lui c'est un 4 roues motrices. On va avancer un peu. Oh, j'ai peur qu'il se retourne. On va aller l'aider, hein. Vas-y. Voilà. Let's go. Let's go, bébé. En vrai, c'est impressionnant, mais y a rien. Même vous, comme caméra, vous voyez pas grand chose. Ouf. Je crois qu'il faut pas trop freiner en quad. Faut se laisser porter.
Oh putain. Oh putain. Oh putain le con. Oh. Bon les gars, on vous fait du contenu là. Là du coup il est parti pour voir là-bas, mais il est jamais revenu, donc je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti, Johnny. Ah oui. Il m'a semblé le... Ah bah oui, il est parti là-bas. Ouf. Ça va? T'es un peu bloqué là, non? Eh ouais, putain. Ça a touché. Voilà. C'est bon. Oh. Oui. Celle-là, elle est vénère à monter, hein. Wow. Let's go. Bon bah voilà les amis, hein, vous voyez un petit peu notre terrain de jeu. Et on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 1. On va s'arrêter là du coup pour l'épisode numéro 1 et on va passer à l'épisode numéro 2 où je vais rouler sur le gros bébé derrière, vous le voyez pas, attendez, hop là. Voilà, on va passer sur ça après les gars. Alors bah si vous êtes chaud, vous bombardez un max de likes, les commentaires. Pour ceux qui sont encore là, je veux le petit hashtag Ghost Crumbler. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Merci du fond du cœur à mon frérot pour le prêt des quads parce que mine de rien, bah... Sans lui, il n'y a pas de quad. Si vous avez des trucs de ouf à me faire tester ou vous voulez qu'on fasse une petite vidéo cool, n'hésitez pas, vous me le dites. Et on essaiera de faire un truc sympa. Voilà, je fais des gros bisous à toutes et à tous. Merci beaucoup, c'était Slip 722, c'est parti, Johnny. Oh bah y a pas de route là. On va passer à l'épisode 2. Hein.